Hey Nakama, c'est Cyril, on se retrouve pour Ener en 60 stamina. Allez, let's go! Allez, c'est parti pour Ener. Bon, là, vous allez voir, je me galère à trouver un Mihawk en invité. Je sais pas pourquoi je me galère, parce que je regarde niveau secret, mais ça change rien du tout à chaque fois. Mais bon. Y a pas beaucoup de changements, vous avez vu, j'ai résistance et soin. C'est pas impératif si vous l'avez ou pas. Si vous avez vos persos maxés, en revanche, c'est idéal. Voilà, capitaine, j'ai mis Luffy. Et mes autres personnages, Lao, Mihawk, Soji King et Koza. Koza pour booster l'attaque. Soji King pour qu'il ait plus de tours. Vous prenez vous sub marteau si vous avez. C'est mieux d'ailleurs, il a moins de tours. Lao pour changer les orbes en dex. Mihawk, 30% de dégâts. 30% ouais, de dégâts sur la vie. Et l'autre Mihawk pareil, enfin c'est pareil, et puis Luffy c'est pour booster les orbes et changer les orbes. J'espère que vous me suivez. Donc là vous gagnez un maximum de tours, hein, vous voyez. Et tous les 3 tours il y a un dégât de terrain. Vous allez voir, bam, il vire. Donc bah voilà, vous savez tous les 3 tours, parce que au stage 4, je vous conseille d'utiliser ça pour virer tout le monde. Parce qu'ils sont chiants, hein, sinon ils vont vous mettre des liens sur vos personnages et c'est chiant. Tout simplement. Donc là vous continuez, vous attaquez. Pour augmenter vos spéciaux, hop, on enchaîne. Bah voilà, hein, c'est pas mal. Hop, là on arrive au stage 4, c'est ce que je disais. Regardez, hop, dégâts de terrain, tout le monde qui vient. Hop, et là on arrive au plus important. Ce qu'on attend depuis le début, je pense. Ener. Donc, là lui il va se mettre un bouclier, immunité surtout, et puis la défense. Donc, je vous conseille de les 3 tours, vous les faites. J'espère que vous aurez assez de vie, parce que sinon vous êtes mal barré. Donc là, vous tapez un maximum pour faire un maximum de dégâts. Donc des perfects de préférence, hein, faites pas comme moi. Hop, et quand les fêtes tous retourneront en poussière, ils changent vos orbes. Là, c'était bénéfique pour moi. Mais bon, je crois que ça va pas servir à grand chose, que je suis des super à fois. Ah non, je suis parfait quand même. Ça m'arrive. Hop. Vous voyez, il fait 6300 à peu près de dégâts. Donc vous faites le calcul sur 3 tours, en fait, il faut avoir assez d'HP tout simplement. Donc voilà, vous le tapez, jusqu'à temps que ces 3 putains de tours soient passés. J'espère que là vous suivez. Hop, dégâts de terrain, parce que vous ne pouvez pas vous oublier aussi. Vous allez voir, il va quand même taper une fois. Parce qu'en fait, l'idéal, avant d'utiliser Soji King, attendez qu'il attaque, que tous retourneront poussière. Là. Il va faire ça. Vous allez voir, là, à ce tour-là, attention, suspense. Hop, tous retourneront à la poussière. Attention, vous avez compris. Hop. Donc là, utilisez Soji King pour augmenter son nombre de tours. Puis là, ça se passe. Je sais pas si vous l'avez vu, mais. Hop. Donc, il fait un peu de dégâts. Et jusque le moment de 3 tours, Ener. Mihawk, moins 30% de vie. Pour l'ennemi, bien sûr. Pareil, notre Mihawk. Voilà. Là, on va utiliser le Lao pour changer les orbes. Hop, alors le spécial de. Là, vous utilisez le spécial de Koza qui booste l'attaque de vos sabres. 1,5 si je dis pas de bêtises. Hop. Et. Luffy pour booster les orbes et changer si vous avez besoin, si vous avez eu des bonnes orbes vous, parce que moi j'ai eu que de la merde, mais on s'en fout. Hein. Voilà, du coup vous allez voir que moi je vais pas le one shot, mais je l'aurais one shot si j'avais eu les bonnes orbes. Et là malheureusement je me suis fait un peu de troll pour changer, merci Bandai. Enfin bref. Hop, là vous allez voir encore un tour, j'ai encore un tour et puis ils sont faits. Hop. Je suis content d'avoir fait une petite vidéo. Ça fait une petite vidéo pour cette après-midi. Donc voilà, hop, et vous l'avez à coup sûr. L'Ener en 60 stamina, vous l'avez à coup sûr, et je crois en 30, c'est 50 ou 60%, un truc comme ça. Je sais pas du tout le pourcentage de drop. Donc voilà, Ener qui tombe. Bon bah voilà, Ener terminé. C'était plutôt facile si on a les personnages qu'il faut. Bah j'espère que vous les avez. Puis si vous avez d'autres teams, bah, dites-les en commentaire pour que bah, d'autres en profitent tout simplement. Allez, Nakama, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Hop,
Donc barbe noire pas de spécifique, il n'y a rien de spécifique, faut juste le bourriner en fait, tout simplement.